Avec ses 121 mètres, c'est aujourd'hui le plus haut barrage d'Algérie. Avec 640 millions de mètres cubes d'eau, sa retenue d'eau constituée est l'une des deux premières en Algérie. Elle permet d'alimenter 800 000 habitants en eau potable et d'irriguer 18 000 hectares de la plaine du Moyen Isère au sud-est d'Alger. Le barrage de Koudiat à Serdoune permet, via sa crête de 496 mètres de long et de 8 mètres de large, de relier les deux versants de l'Oued Isère avant que celui-ci ne rejoigne la baie d'Alger à 100 km en aval. Ce chantier monumental a été confié à Razel par l'ANBT, l'Agence nationale des barrages et des transferts, pour le compte du ministère algérien des ressources en eau, qui l'a parfaitement inscrit dans les montagnes de Sbarba. Porteur d'une technique innovante, l'ouvrage réalisé en BCR, béton compacté au rouleau, sera pour Razel une aventure de cette année, de 2002 à 2009. La géologie rencontrée, la nature des alluvions et l'apparition de problèmes d'instabilité des versants en rive droite comme en rive gauche expliquent la révision du projet. Coné Bélier, le bureau d'études de l'ANBT, sortira la version définitive en juin 2005. La construction du barrage de Koudiat à Serdoune constitue à ce jour et au sein des grands projets de l'entreprise sa première référence, tant par le volume des travaux que par le chiffre d'affaires. Koudiat à Serdoune, c'est une opération exceptionnelle qui a mobilisé des ressources importantes. C'est aussi un défi technologique, notamment pour ce qui concerne la production des matériaux où des techniques innovantes ont été utilisées. Et c'est aussi un défi d'organisation, une organisation autonome qui a dû faire face à un environnement difficile. Pour ce projet complexe et impressionnant, des dispositions exceptionnelles ont été mises en place. Au niveau de la préparation du chantier, comme sur tout grand ouvrage, et plus particulièrement sur un barrage qui demande de lourdes installations et de lourds investissements, il faut que cette préparation soit particulièrement soignée et poussée le plus loin possible. Razel a ouvert 4 exploitations d'alluvions dans le lit de l'Oued. Objectif, extraire les près de 4 millions de mètres cubes de matériaux bruts nécessaires à l'élaboration du sable et des graviers pour la fabrication du béton. L'ensemble a nécessité le montage d'importantes installations de scalpage, concassage, lavage et criblage de matériaux pour alimenter les centrales à béton, la capacité globale dépassant 1000 tonnes heure de granulats produits. Pour mener à bien ce chantier gigantesque, d'autres équipements ont été installés sur place. 2 stations de traitement des alluvions de l'Oued, dont l'une pour les matériaux BCR, l'eau nécessaire à ces opérations étant prélevée dans l'Oued par station de pompage spécifique. 2 centrales à béton, dont la centrale continue pour le BCR. 1 centrale à énergie pour la production de l'électricité nécessaire au fonctionnement du chantier, comportant 8 groupes électrogènes. Et bien entendu, des équipements destinés à la sécurité du chantier et à l'autosubsistance. Il faut bien sûr en permanence adapter le matériel aux qualités du matériau que nous rencontrons et aux qualités du matériau que nous voulons élaborer. Il faut adapter les systèmes de distribution de béton à la géométrie évolutive du projet. Et c'est aussi important, il faut adapter les hommes. Nous avons recruté localement plus de 1500 personnes. Tout d'abord en les sélectionnant, mais également en les formant. Et nous avons laissé derrière nous un potentiel humain d'exécution fort appréciable pour le site, mais également pour l'Algérie en général. Un projet exceptionnel, solution exceptionnelle et innovante. Des considérations sismiques ont présidé à l'élaboration d'une tour de prise inclinée. Elle accueille des équipements hydromécaniques colossaux, dont une vanne segment de 50 tonnes. Les galeries techniques abritent des systèmes d'auscultation sophistiqués reposant sur un réseau de fibres optiques, une première mondiale. Enfin, l'évacuateur de crue présente une géométrie exceptionnelle visant à répartir l'énergie hydraulique aval pour éviter tout affouillement au pied de l'ouvrage. Pour les hommes et les femmes de Razel, la construction du barrage de Koudiat à Serdoune était un défi quotidien. Sa réalisation a fait de l'entreprise un acteur incontournable des grands projets à l'international. Aujourd'hui, l'aventure continue avec le barrage de Tabelout, également conçu pour le compte de l'ANBT en Algérie.
Un ouvrage hydraulique, là encore majeur pour le pays, constitué d'un barrage BCR de 1 million de mètres cubes et d'une galerie de 13 km de long et de 4,30 m de diamètre. Demain, cet ouvrage portera la marque de Razelbeck, qui sera l'un des leaders mondiaux de la technique du BCR.